Et salut YouTube, on se retrouve sur la chaîne pour la suite de Child of Light. Alors, on en était au chapitre numéro 3. Alors, on avait libéré de sa prison là, la sorte de sorcière, de magicienne là, qui nous avait donc demandé de retourner à l'endroit où on s'était réveillé là, au niveau de l'hôtel. Alors, verrouillé, ok. Qui c'est ça? Harlequin, jeune fille, aurez-vous aperçu des ballons colorés? Bah ouais, il y en a un juste à côté. Des licornes montées sur des échasses, ou dont là on va peut-être se calmer. Ou de splendides tentes à rayures. Ma chère sœur Rubella, la nuit est tombée sur nos terres. En ces temps sombres, l'on doit se tenir droits et fiers. Et là, sans hésiter la moindre seconde, il faut jongler avec le poids du monde. Ah, en plus, ça rime. Et si l'on glisse et tombe aux portes de la mort, se relever bien vite et danser encore et encore. En bref, rire ou ne pas rire, telle est la question. Ah, ça cite Hamlet, être ou ne pas être. La réponse est simple, de mon cœur, je prends la direction et je rejoins le cirque itinérant dans les plaines avant son ascension. Ma sœur n'y voit surtout aucune malice, ton frère Tristis. D'accord, donc c'est une sorte de groupe, quoi. Il formait un duo de comiques ou de spectacles. Ah, j'ai gagné premier personnage de l'équipe. Alors, les groupes. Il est déjà niveau 8, lui. Ah, il est déjà niveau 8, elle est vénère. Là. Alors, compétences. Ah, résurrection, cool. Ouais, pas mal. Et au niveau des armes, il y a quoi? C'est quoi ça? Ce monument est singulier, il y a une harpe. D'accord. On va voir un peu ce que ça donne. 3. Alors, déjà, comme ça. Qu'est-ce qu'il a? Lui, il peut se soigner, protège contre les altérations, résurrection, défense, frappe, frappe. Ah ouais, quand même, 10 de dégâts, quoi. Oh, elle est solide. Pourquoi potion? Je ne veux pas soigner.
T'es déjà niveau 9? Cool. Essayer de regarder s'il n'y a pas un coffre, un truc caché. Pas l'impression. Voilà pourquoi il faut explorer. Wow, qu'est-ce que c'est? Poudre de PV, inventaire. Ah ouais. Ah d'accord, ok, c'est pour augmenter les... D'accord. Ok, c'est ça que ça sert. Eh merde. Utiliser les sortilèges en dehors des compétences, non groupe. C'est bien parce que ça permet d'éviter les combats de volée. Verrouillé. Oh, on explore, hein, on récupère plein de trucs. Hein. Potion de vie, encore. Verrouillé, nouveau coffre. Potion magique. Verrouillé également. Ah merde, j'ai pas vu le fantôme. Bon, je pense que lui va mourir. Allez, parfait. Non, là-bas.
Parfait. Quoi? Pourquoi j'ai fui? Oh merde, je voulais pas faire ça. Ah ben, il y en a des maisons à fouiller. Ok, nouveau coffre. Ah, résurrection, cool. Ça, c'est bien par contre. Élixir de Luciole. Ça, c'est verrouillé. Ah, viens là, toi. Viens là, viens là, viens là, viens là. Ouais, non, là je pense qu'on peut plus passer, il faut obligatoirement descendre. On arrive où là? On revient au début là, non? Il a l'air énervé, non? Un peu le loup là? Ok, esquive. Un déjà. Alors, action. Ah ben voilà, niveau supérieur. Ah, émeraude brute, qu'est-ce que c'est ça? Alors déjà, augmenter un peu la défense. J'ai l'impression d'être un trou avec elle. Oculi. Ah, dégâts de foudre. Pas mal peut-être les dégâts de foudre. Peut-être plus que les dégâts d'eau, non? Alors, et si je fais 1, 2. 3 Saphir poli. On va peut-être remettre cela du coup, sachant que je l'ai amélioré. Alors, et nous, notre fameux hôtel? Calme-toi, toi. L'hôtel au perché. Ah, l'arbre aux épines. Voilà. Allez, il fallait prendre la direction de l'arbre aux épines.
Bon. Le bonus de vitesse, il va pas y servir à grand chose, je crois. Ah merde, il est esquivé. Par contre, lui, il a pas de frappe de. Comment dire, de frappe magique un peu. Immunisation, c'est de la protection. Ça, pareil, c'est de la résurrection. Ça, c'est de la défense. Ça, c'est du soin, mais il n'a pas de coup offensif, on va dire. Il n'a pas de sort offensif. Lui, c'est vraiment genre, tu frappes, quoi. Faudrait que j'arrive à y débloquer des sorts offensifs un peu. Ce serait pas mal. Plus que des sorts de soutien, parce qu'un peu ça va, mais trop. C'est pas non plus. C'est pas non plus le top quoi. Si le mec il a que ça, on va pas aller loin. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Je refuse de te laisser passer, désobéir et je te dévorerai. Ah d'accord, ok. Il a l'air sympa lui. Oh là! Ok! Ok. Attends, on va surtout le flasher à lui, je pense. Faudrait que je le finisse celui déjà. Ok, donc là, lui il se stuff. Alors, on va déjà finir les loups. Interruption, parfait. C'est pas grave. C'est nickel. Allez, ça recharge. Et on rééblouit. Alors, pas besoin de me soigner pour l'instant. Résurrection, on s'en fout. On va taper, hein. 33. Là, on va se protéger. Ah mais on peut se permettre, il a beaucoup plus de vie, ça va quoi. Il a 95 points de vie. Ça va, avant de se faire tuer, je pense qu'il va falloir y aller. Ouais. Ok. Waouh! Ah, il a contré ma magie! Tiens, je me suis dit, ça y est, je vais y envoyer tout ce que j'ai dans la tronche. 12 de dégâts, on va pas aller loin. Hein. Ok, 33. Attaque, hein. Allez, va falloir que je la soigne. Maintien L2, soigner en plaçant sur un allié. J'ai pas compris là. Ok. Ah, parce qu'on peut se soigner comme ça aussi? Bon, ça va. Action, soin. On va soigner comme ça. Tape.
tape. Parce que je pense que vu l'état dans lequel il est, je pense que bientôt il va tomber, hein. Ah merde, il m'a esquivé! Eh ben voilà! Plus 3100 de points d'XP, c'est beau. Deux niveaux, là, deux niveaux pareils. Poudre de points de vie, pas mal. Vers l'arbre aux épines. Alors, avant, on va juste faire compétences. Ça, c'est pas mal, ça. Compétences passives, c'est cool, ça. 10% de chance de contre-attaque, c'est bien ça. Ah, j'en ai 3 avec lui. Les points de vie, ça devrait aller normalement. Ah, mais c'est que des trucs genre de support, quoi. Il n'y a pas un truc. Je sais pas. Pareil, ça doit être du passif, ça, non? Non, même pas. Soin 2 restitue 93% de PV à l'allié visé, quoi. Que du support, quoi. Pas une attaque offensive. Alors, la carte de Lemuria est désormais disponible. Elle te permet de te rendre rapidement aux endroits que tu as déjà visités. Ouvre le menu pause pour y accéder. Ah, c'est joli la carte. Ah, elle est belle. Elle est bien faite. Ok, d'accord. Et en plus de ça, dans chaque zone, il te dit le nombre de coffres et le nombre de poudres d'étoiles qu'il te reste à trouver. C'est bien ça. Si tu veux essayer de faire de la collectionnite, c'est cool ça. Elle est jolie en tout cas la carte. Bon, sûrement qu'elle va être un peu plus grande au fur et à mesure de l'avancée, mais en tout cas, elle est bien faite. Alors, j'avais dit que je voulais. Ça. Ouais, elle. L'autre sert à rien, de toute façon, il est plein de vie. Alors, droite, gauche, en bas, plutôt en bas, non? Potion magique. Alors, faut faire attention aux ronces parce que ça enlève des points de vie. Ah, les zones un peu pourries là, comme ça là. Ah merde, il y a une coffre derrière. Allez, c'est bon, on y va. On a peur de rien, nous. Ah d'accord. Ah, attends, on va cibler lui plutôt. Il est pas mal au niveau des esquives, lui. Heureusement que j'ai anticipé, hein. Bon, je me débarrassais au moins de la première. Merci. Allez, c'est pas grave. Allez, on y va. Oblitération? C'est quoi, oblitération? Genre, c'est quoi? C'est genre, j'ai défoncé direct, c'est ça?
C'est le genre de coup critique, quoi. Oblitération, si je l'oblitérais, quoi. Rubis brut. C'est quoi? C'est une sorte de feu, ça, non? J'en ai déjà un, non? Ouais, ça, rubis, c'est truc de feu. Potion de vie. Ah, t'es par curiosité, je voulais voir un truc. Est-ce que je peux, par exemple, fabriquer un oculi, mais en mélangeant plusieurs trucs à la fois? Par exemple, un comme ça, et là, un comme ça, et switcher les trois. Diamant brut. D'accord, on peut mélanger les trucs. C'est quoi du coup le diamant brut? Augmente la vitesse de 1. Ah merde. Je suis un peu déçu du résultat. Je suis un peu déçu du résultat. Je sais pas, je mets le feu, la foudre, l'eau. Je me suis dit, c'est pas, ça va faire une sorte de malade. Augmente la vitesse de 1. Eh ben, dégoûté. Bon, c'est pas grave. Allez, résurrection, c'est cool. Ah merde, j'avais pas eu l'araignée. Allez, saphir brut. Émeraude brut. Ouais, et un système d'accélération aussi avec le personnage en appuyant sur croix comme ça. Ça vous permet de. Bon, là, je me suis fait taper, mais. Ah, ça vous permet de d'accélérer un coup. Ah, c'est pas grave. Ça, on va récupérer les points qu'on a perdus. Potion magique. Non, on va plutôt descendre en bas. Et merde, arrête de taper. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Confession numéro 8. L'amour fana l'aube, la douceur s'oublie, une main se tend vers la mienne, suppliant, mais je détourne le cœur distant. Tsar, Kaiser ou prince, nul ne me séduit. Oh. Ok. Bon, vous appuierez sur pause et vous lirez. Est-ce que c'est par là ou pas du coup? Ça, je pense qu'il faut. Il doit y avoir un personnage à un moment donné qui va. Avoir la possibilité peut-être de jouer de la musique ou un truc comme ça, je pense. À gauche, le village Capilly. Alors là, on m'a demandé d'aller à l'arbre, donc on va aller à l'arbre, mais ça va pas être par là. Je pense qu'il fallait grimper. Oula! Tu l'as vu cette fourbe là? Cachée dans son arbre? Eh merde, j'ai fait une tout droit dans le mur. Embuscade? Pourquoi embuscade? Ça va, on était en face. Thank you.
Ah, merde, il m'a interrompu. Allez, une double en moins. Et parfait. Arrête de sprinter dans les ronces là. Ah, antidote. Alors, soigne les altérations. Ok, toutes les altérations d'état. Alors, l'oculi fabriqué. 1, 2. Et 3? Non. Deux, trois, ça marche. Émeraude polie. Ah, même deux, ça marche? Améthyste brute. D'accord, là ça marche plus. Là non plus. Donc on a dit deux, ça marchait. C'est quoi l'améthyste brute? Augmente les dégâts physiques de 20% quand les PV sont inférieurs à 20%. Ouais, c'est pas mal, mais bon, sauf qu'il faut être à 20% des PV. On va mettre lui. Ah non, par contre il y a un truc intéressant là. Alors attends, compétence, pas vraiment. Pas ça que je voulais faire. Augmente les dégâts magiques de 20% quand les PV sont inférieurs à 20%. On s'en fout, de toute façon, il attaque jamais. Il n'a pas de sort offensif. Alors, 10%. Oula, il est gros, lui, oh. Qu'est-ce que c'est, ça? Un boss? C'est un ennemi énervé, ça, non? Alors, on va cibler lui. Je crois que ça ira mieux.
Aïe. Ok. Alors, attaque. On va essayer de voir si c'est balèze. 39, pas mal. Et 25. C'est cool. Oula, le pauvre prend cher. Hein. Il n'arrive pas à attaquer. Hein. Wouah, ça va. Alors, là, on va faire soin sur lui et attaquer. Et là, augmentement de sa vitesse, on s'en fout. De toute façon, je pense que bientôt, il va clamser. Et ben voilà. Bon, j'aurais pu gagner au moins deux niveaux là. Hein. Poudre de défense. Que des trucs pour augmenter la vie, j'en ai pas besoin avec lui. Il est plein de vie déjà. Alors, on avait dit du coup inventaire. Poudre de défense. Ouais, il faut toujours augmenter pour elle de base. C'est tout? Il y a que ça à récupérer? Moi je pensais que la suite du niveau c'était en ombre. Non, non, c'est que ça devait être en bas. Et arrête de te taper sur les ronces. Ah, je l'ai oublié. Bon, ça va, encore ils sont deux. Alors, donc on a dit c'était par là. En direction du village là. Comment il s'appelle celui-là? Le village Capilly. Le puits. Obscur. C'est ambiance dans ce village. Bon, c'est à sauvegarder. Voilà. Ah, petit coffre, je l'avais pas vu. Bien à toi. Bon, ben du coup, on va s'arrêter là donc pour cet épisode. Voilà, on aura fini donc le chapitre numéro 3.
On attaquera du coup le chapitre numéro 4, donc avec le fameux puits obscur là, pour rejoindre soi-disant la zone la plus basse pour récupérer un des trois éléments donc demandés par l'entité, la personne blanche là, qu'on avait libérée dans le vieux monastère. Voilà, ben on avance petit à petit, tranquillement, pas trop compliqué pour le moment. En tout cas, le jeu est toujours aussi plaisant, l'histoire est toujours aussi intéressante. Voilà, le système de combat est pas mal. Voilà, les personnages, ils sont intéressants, ils sont bien faits, chacun sa petite histoire. L'Arlequin, là, il recherche son frère pour renouer leur duo qui se sont séparés chacun de leur côté. Voilà, elle cherche à retrouver, on va dire, la route de sa maison pour pouvoir retrouver ben, du coup son royaume, son père et compagnie. Voilà, ben, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne et on se retrouvera du coup pour la suite de Child of Light. Ciao, ciao!